Salut à tous, donc je vous avais laissé à la caverne d'Alafra. Donc le seul endroit où on peut passer, c'est ici. Donc les coffres que vous voyez à droite, on pourra pas les avoir tout de suite. Faudra attendre plus tard dans le jeu. Et il n'y a que celui-là qu'on peut passer. Donc ça sert à rien que je vienne ici en fait, en théorie. Mais c'est juste pour avoir trois coffres. Hein. Les autres, on les aura lorsque le maire nous donnera sa récompense. Voilà. Une fois que le bateau sera réparé. Alors, merde, je me suis bourré. Voilà. Encore au périssement. Voilà. Donc, il reste au feu. Et à l'air. Et comme bah, Pavel prend l'air, tant mieux. Ok. Donc, voilà. Donc, là, je vous montre, là on peut pas passer. Regardez, hop. Donc impossibilité de passer par là. Pas de feu. Voilà comment soigner tout le monde. Ah par contre ouais, non. Je sais pas s'il a souhait en fait. Machin. Non je crois que j'avais dit une connerie. Enfin bon. Je crois ouais pire s'il a pas souhait en fait. Je dis n'importe quoi. Donc voilà, ça nous fait un petit truc en plus. On va vendre un peu. Et ensuite, je sais pas si vous vous rappelez de Rocher, ben bah... ça va être un truc du même genre. Et voilà. Donc surtout pas vendre les portes bonheur. Je sais pas à quoi ça sert l'angle de vent. Ah non, la potion ça rend carrément tous les PV. Bon, donc on sort d'ici. On peut vous rappeler de Rocher. Ben là on va aller au Mont Gaïa. Au Mont Magma, je sais plus quel c'est. Enfin bah vous verrez. Normalement, bah comment on le trouve? Ben bah, on se balade dedans. Ce qui est cas, c'est qu'ils mettent des bourdons qui sont plus forts que des... que des gros les dragons qu'on voit et tout. Qu'on a vu avant, ils sont moins forts que les... alors où est-ce que c'est? Bon attendez, je vais visiter les îles, je trouverai bien au moment. Donc ouais, pour parler un peu du jeu quand même, parce que je suis un petit peu là pour ça, sinon je commente pas, ça sert à rien. Donc pourquoi j'aime le jeu? Parce que bon, si vous vous doutez que si je le fais, c'est pas parce que comme ça au pif, hein, j'ai pas fait pile ou face, oh tiens, Golden Sun 2 ou Jean-Paul 3. Non, bien sûr. Bien sûr, si je fais le 2, bon, c'est aussi parce que j'ai fait le 1, mais alors pourquoi la série? Pourquoi je la trouve bonne? Bah, déjà c'est pas par rapport au scénario, je vous le dis tout de suite. Parce qu'il faut pas non plus exagérer, bon le scénario il est bon, hein, mais c'est pas un scénario de taré qu'on peut voir dans d'autres RPG quoi. Non, c'est pas ici. C'est quoi ici? Bon, ça on verra plus tard. Ah pas vrai ça.
Ah oui, si on approche du mur, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, on voit plus rien. Plus rien du tout. Donc oui, donc ouais, je termine jamais mes phrases. Donc c'est pas par rapport au scénario. Le scénario est sympa, mais il avance pas trop, enfin il se passe pas grand chose. Enfin, surtout dans le 1 en fait. Le 2, bon, il se passe plus de trucs, mais ça, c'est pas par rapport vraiment au scénario du jeu. Quoi. Voilà, vous allez voir ce que ça fait si on essaie de rentrer. Ah, je me rappelle de ça. Voilà, et en fait faut essayer de passer. Le truc c'est qu'on pourra pas parce que on va arriver au bout du merde d'accord. Si on arrive au. Bon, j'aurais même pas dû essayer d'entrer, je vais me faire éliminer. C'est un merde. Voilà. Si on arrive au bout de ce truc, parce que vous avez vu le principe du truc, hein, il faut tourner autour des trucs pour les arrêter les courants et passer en fait. Mais si on arrive voilà, au bout des courants, quand on arrive devant devant les Lemuria, ben on peut pas continuer parce qu'on se. Il y a comment. Il y a Poséidon qui nous nique la gueule. Et toutes nos attaques ne font rien en fait. Donc pour passer, le truc c'est de. Il faut récupérer un trident qui est en trois parties. Le butin. Ah c'est pas là qu'il y a une tortue. Je crois. Ah, je me rappelle de ce temps-là. Bon, ça c'est plus tard aussi. Vous voyez, il y a pas mal de trucs qu'on fera plus tard. Hein. Alors, je crois que cette fois c'est la bonne. Je crois que c'est Libonor là. J'espère que je vais pas encore me gourer. Je suis même pas sûr que ce soit sur une île. Mais bon. Quand on voit l'eau qui commence à être claire là, c'est qu'on approche d'un truc. C'est peut-être là. Je suis pas sûr. Hein. Ah, c'est bon. Loupi. Je suis arrivé à destination. Donc voilà, Izumo. Alors, en fait, bon, ça, là c'est. Ouf, ça fait mal. Vous avez vu, c'est mieux que les tout derniers trucs qu'on a eu. Quoi. Ouais, vous voyez, alors vous vous rappelez qu'on a eu un truc avec des loups-garous, on a eu un truc. On a eu ouais, un truc avec un petit peu vaudou on va dire. Bon, je dis ça comme ça, moi je connais que dalle là-dedans. Je suis pas vaudou. Hein. Et puis maintenant on a un truc assez oriental là. Oui alors vous vous rappelez qu'on avait eu voilà cyclone merde avec les glas non pas les glas Mais voilà à quoi ça sert, c'est cool en fait. Ça a récupéré des trucs sous les herbes. Merde. Et alors je crois qu'il faut rentrer dans une maison. On pourrait aller au mont Magma directement aussi. Hein. Voilà. Là vous voyez, ça, ouais, c'est un truc assez oriental. Bon, en fait, ils veulent sacrifier quelqu'un. Ah bah c'est elle justement. Ouais, là bien sûr, elle va pas crever. Bien sûr, elle ne veut pas crever, mais
En fait, vous voyez le genre de truc, c'est le truc avec espèce de dieu où faut sacrifier une jeune fille. Vous voyez le truc, quoi. Voilà, ça c'est marrant. Il faut créer nous-mêmes le cercle. Voilà, et ensuite faire vision. Voilà. Là, retenez ces noms, ça prouve que c'est des mystiques. Voilà. Ouais. Vision. Et cloque. Je sais pas s'il faut le faire tout de suite en fait. Non, j'ai fait connerie. Fallait pas le faire. Fallait pas faire ça. Merde, comment je fais maintenant? Allez, n'importe quoi. Il suffit de remonter. Et parce que si je fais ça, je pourrais pas atteindre l'autre. Merde! Oh, salope. Putain, ça lag quand je fais ça. Voilà. Putain, mais il veut même pas. Voilà. Donc là, il faut d'abord. Oulalalalala. Ah, mais remarque, est-ce qu'on peut pas le faire à travers? Non, on peut pas. Hein. Mais comment on fait alors? Non, là, j'avoue que je suis paumé là. Parce que si on fait. Mais attendez. Si je fais ça, après je suis foutu. Hein. À moins qu'il y ait un moyen de passer. Ah non, c'est débile, comment on peut faire? Ah, peut-être que. Attendez. Non, y'a rien. Putain, mais c'est impossible ce truc. Attendez, là je réfléchis. Ce shot là. Comment on peut aller. Geler ce truc sans prendre d'autres trucs. C'est dingue ça. Ah, à moins qu'il faille le faire une fois qu'on a ouvert le truc. Alors, attendez. Non, mais ça me paraît débile, là, c'est pas possible. Franchement, je vois pas trop comment faire. Non, c'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça devient? On peut pas les remonter après. Ah, mais je sais comment faire. On peut pas. Je viens de comprendre en fait. Il y a du sable, il faut passer sous le sable, mais on n'a pas encore la. On n'a pas encore la synergie. Putain, mais je perds du temps pour des conneries là, j'ai perdu 10 minutes. Enfin, j'exagère, mais bon. Donc voilà, vous voyez, elle va être sacrifiée, machin. Elle va être sacrifiée à un serpent en fait. Bon, c'est une offrande pour le village. Et en fait, le serpent est justement au mont Gaïa. Donc avant de rentrer dedans, on va escalader. C'est un peu débile comme truc. Faut faire ça pour pouvoir remonter.
moi personnellement je préfère de loin le Mont Gaïa que Rocher. Déjà il y a de l'histoire en même temps, alors que là, alors que Rocher, bon, c'était juste un truc à monter comme ça quoi. J'aurais pu monter ça, ouais. Bon, tant pis. On le fera au retour. Donc là, en fait, vous avez compris, on va devoir vaincre le serpent afin que machin n'ait pas besoin de se sacrifier. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, la seule utilité de la statue qui crache du vent sur Alien, c'est juste pour nous dire que il faut faire ça pour bouger à loin. C'est un indice quoi. Charmant. Il y a quoi en bas? Je sais pas s'il y a un truc. Ok. Bon. Là, je vais me taper un ennemi, bien sûr. Oh merde. Voilà. Donc. Alors ça sera peut-être moins long que Rocher où je me suis bien paumé. Mais déjà ça sera plus passionnant parce que je vous dis il y a de l'histoire au truc. Il y a un boss et tout. Ouais. Ok, ça commence. Je fais que de la merde là. Donc peut-être je vous laisse ici. Je vais me réciter avec Edwin. Hein. Parce que si je fais pas une pause là, ça va être un massacre. Voilà, attendez, est-ce qu'il n'y a pas un truc pour le site? Non, bon. Bon, ben, salut, à la prochaine.